Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici pour notre deuxième module concernant l'Épître aux Galates, cette leçon qui nous aide à mieux comprendre l'Épître de Paul aux Galates et la gestion de ce problème dans ces églises en Galatie. Mais avant de continuer, nous voulons prier avec Erwin. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions. Et en ce moment, je te remercie pour ta parole. Je te prie de nous aider à comprendre si mieux que possible ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. Dans cette partie, l'autorité de Paul et l'Évangile, nous sommes face à plusieurs questions. Pourquoi Paul avait besoin de défendre son autorité ? Quel était le vrai mobile? Comment Paul identifie l'Évangile? Et quelles sont les implications de cette identification? Pourquoi était-il horrifié à propos de l'autre Évangile? Existe-t-il un autre Évangile? Pourquoi Paul a pris tant de temps à expliquer ce développement concernant la justification par la foi, concernant la liberté que Dieu apporte? En quoi ce passage nous aide-t-il aujourd'hui? Nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà, premièrement, il y avait un conflit. Le conflit, en quoi existait ce conflit? Par des gens, des chrétiens qui proviennent du judaïsme, ouais, étaient opposés au mode de la présentation de l'évangile de Paul. Il y en a plusieurs choses, mais la plus importante, c'est que ces gens-là, ils pensaient que la circoncision reste une chose obligatoire pour les chrétiens. Donc, pour pouvoir amener les chrétiens qui proviennent des païens à adopter cette façon de vue, ils doivent mettre Paul à côté. Et donc, ils cherchent à baisser l'importance de Paul pour pouvoir élever leur propre façon de vue. Est-ce qu'on peut comprendre leur attitude face à ces retours? Pourquoi ce revirement? Et Paul emploie un terme ici, ils vont déserter. Et Paul est surpris par justement leur attitude. Il a posé les bases, et c'était des bases nécessaires pour une bonne compréhension concernant le salut. Et maintenant, Paul voit maintenant qu'à son départ, il y a les judaïsants justement qui parlent autrement. Pourquoi ce revirement de situation? Paul était pas déstabilisé, mais assez surpris. Et dans ses termes employés, nous voyons qu'il emploie des termes, forts. Et est-ce qu'on peut comprendre ce revirement de situation, Lydia? Ils se retrouvent seuls, sans personne. Donc ils essaient de se référer à une loi qu'ils ont eue. Et ils s'accrochent à cette loi. Et on peut comprendre ça quand on a des habitudes, qu'on est perdu, on essaie de toujours trouver une branche. Et à ce moment-là, on a tendance à basculer dans l'extrême. Il y a une certaine déstabilisation de leur vie, un grand changement. Un grand changement. Du paganisme, ouais, passé au christianisme. Et puis, ce que Paul a parlé de ce salut en Jésus-Christ, sans aucune obligation. On peut dire au départ, c'est Jésus qui sauve. Ça, c'est l'évangile de Paul, à travers la mort, la résurrection du Christ. Et lorsque ces judaïsants, maintenant, commencent par parler d'un autre évangile, là, il y a eu pas l'engouement, mais ce désir, cette facilité de retomber dans l'autre évangile proposé par ces judaïsants et
laisser à côté l'évangile que Paul avait porté à ces chrétiens. Oui, oui. Je veux dire que le légalisme a toujours quelque chose d'attirant, parce qu'on parle des choses qu'on doit faire, on parle des actes. Pour les gens qui ne sont pas très, très forts dans l'évangile, ça peut être facile de tomber dans cette piège. Tu veux dire que Paul, dans le paganisme, il y avait quand même pas mal de contraintes. Ce n'était pas démuni de toute obligation. Il y avait même la fête du sang et puis la résurrection de Cybèle. De par leur religion dans le paganisme, ils faisaient beaucoup de choses jusqu'à même aller à meurtrir, à couper leur corps. Et ce que maintenant ces juifs proposaient, la circoncision, ce n'était pas difficile pour eux de basculer dans, oui, et dans en plus, cette ce que voie. Est très, très attirant par le légalisme, c'est que ce ne sont pas seulement les actes, parce que Paul demande aussi à des gens de faire des actes. Mais quand on les fait dans un esprit légaliste, on assume des mérites. Donc, je fais la circoncision, ça m'accorde quelque chose à Dieu. Donc, je suis sûr que j'ai obtenu quelque chose à Dieu avec cet acte. Et ça c'est très bien, parce que c'est toujours plus difficile de changer le cœur que de faire des actes extérieurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons peut-être venir au texte parce que c'est très riche. L'introduction n'est pas du tout comme semblable aux autres épîtres. Hein? Il y a là quelque chose de particulier où Paul va vraiment souligner l'urgence et la gravité de la situation. Il ne salue pas avec une certaine... comme d'habitude... ça se faisait, mais là, c'est avec beaucoup de sérieux. Alors, je lirai l'Épître aux Galates, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Pourquoi il doit dire apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père? Pourquoi ici, il doit justifier son apostolat? Il était attaqué par... Il était attaqué par justement... Par ces judaïsants. Par ces judaïsants. Et quel était le but de... l'objectif de l'attaque? Remettre en cause cette légitimité. Amoindrir, remettre en cause sa légitimité. Justement, l'évangile prêché par Paul. Par Paul. Ni par... Paul ici dit... J'ai reçu l'autorité directement de, non d'un homme, mais de Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Là, nous entrons tout de suite dans la rédemption. Justement, ce salut en Jésus-Christ, avec ce que les judaïsants vont demander, il y aura opposition. Paul met en opposition ici, justement, ce salut et que... les œuvres de la loi, entre guillemets. Oui, Lydia. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Il y a ici tous les frères avec moi. Paul montre que ce n'est pas son affaire. Il a aussi, les autres sont avec lui. Et puis, que la grâce et la paix. Là, nous voyons que Paul annonce la couleur, grâce et paix. La grâce ici, ce n'est pas seulement la faveur accordée. Dans l'Ancien Testament, le mot grâce a deux significations, justement. Il y a cette grâce accordée, faveur à, qu'on offre, qu'un roi offre à ses sujets. Mais ici,
La grâce a tout à fait une Paul utilise la Septante, il va utiliser tout à fait un autre mot, la grâce, la faveur mélangée à l'agapé, la faveur mélangée à l'amour. Et ce don, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, donc ce don maintenant donne la paix, et ce don c'est Jésus-Christ, initiative du Père et du Fils concernant le salut. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'initiative de Dieu, et Paul ajoute, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Là, nous entrons directement dans ce contexte de rédemption, de justification, et puis Paul dit « pour nous arracher du présent siècle mauvais ». Quel est ce présent siècle mauvais dans l'esprit de Paul? Ce présent siècle mauvais, c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes tous condamnés à mort, et la première mort. Donc, ce n'est pas ici, le siècle mauvais, c'est ici-bas, et la félicité en haut. Non, c'est parce que dans notre situation actuelle, nous sommes vendus au péché. Seul Christ peut nous délivrer de cette situation. Maintenant, Paul va parler de son étonnement. Tu peux continuer. Alors, il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Est-ce qu'il y avait un autre évangile? Est-ce qu'il y avait un autre évangile? Est-ce qu'il existe un autre évangile? Donc, s'il n'existe pas un autre Christ pour sauver, il n'existe pas un autre évangile. S'il n'existe pas un autre moyen pour la justification, pour ce salut en Jésus-Christ, il n'y a pas un autre évangile. Paul dit non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Oui. Je veux préciser, c'est intéressant, vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Ça veut dire qu'il y a un détournement d'une personne. Jusqu'à maintenant, ces gens-là étaient liés à Christ parmi l'Esprit Saint, et maintenant ils se sont détournés. Donc c'est une chose qui est claire, qu'elle étonne Paul. Il n'y a pas seulement le trouble ici, et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà, il y a l'évangile de Christ, l'autre évangile n'existe pas. Est-ce que vraiment il y avait un autre évangile? Donc, et sinon, oui. L'évangile dit que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Et ces gens-là disent, vous êtes sauvés aussi par la circoncision. Aussi. Le aussi est important, parce que ici, ces judaïsants niaient pas la rédemption, la justification à travers Christ, mais pour eux, c'était pas suffisant. Avec ça, il fallait ajouter la circoncision. Et puis les lois, les rites mosaïques. Et c'est pourquoi Paul, ici, va justement, il va être très direct, il lance des anathèmes. Tu peux lire Viviane peut-être? Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Deux fois Paul. Il se répète. Il se répète, c'est parce que c'est grave. Il veut placer les prosélytes, les nouveaux convertis. Et surtout, ici, Paul ne s'adresse pas trop aux nouveaux convertis, mais surtout dans ce style qu'il a employé en écrivant cette lettre, il veut montrer que ces gens qui apportent des troubles, qu'ils soient anathèmes, que ces gens soient
anathème de venir troubler et de venir présenter un autre évangile. Oui, là, je veux te dire, Ralph, que là, oui. Paul, il est ferme. Oui. Là, il exprime son autorité. Mm-hmm. Il dit, voilà le vrai évangile. Si quelqu'un vous dit quelque chose d'autre, qu'il soit anathème, là, il ne mâche pas ses mots. Tout ce qu'il fait, maintenant, c'est pour l'évangile. Et maintenant, viennent des gens qui veulent altérer cet évangile. Mais si l'évangile est altéré, elle ne va pas aider à rien. Il ne va pas aider à rien. Et j'ai envie de mettre ça pour nous de nos jours. Quand moi, je suis sûre de l'évangile que Christ m'a donné, oui. Est-ce que je dois avoir peur? Non. Est-ce que je ne dois pas affirmer mon autorité ici, en celui que j'ai cru et dire voilà ce que Christ est pour moi? Ici, c'est une autorité concernant, non pas, Paul ne défend pas une position, sa voilà. position, mais il est question du salut voilà. De ses frères et sœurs, de ces chrétiens et qui ont accepté l'évangile, encore l'évangile de Paul, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, mon évangile, l'évangile éternel. C'est le même évangile, il n'y a pas deux. C'est ce salut en Jésus-Christ par son sacrifice, sa mort, sa résurrection, gage de la nôtre. Donc, Paul ici, avec fermeté, comme a signalé Lydia, avec fermeté, va relever maintenant quelque chose, l'attaque aussi, en disant, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En somme, il a été attaqué de faire des choses pour plaire. Pour enlever, justement, ou pour donner, enlever ou donner, dans les deux sens, et pour ajouter une contrainte au salut. Ils ont des gens qui ne comprennent pas très bien l'Évangile. Ils ont un problème. Ce n'est pas trop grave, mais la gravité intervient quand quelqu'un cherche à enseigner un mauvais chemin. Donc là, Paul dit qu'il soit anathème. Quand moi-même, je ne comprends pas une chose, ça va, je dois chercher à comprendre. Mais quand moi-même, je cherche à te tirer du bon chemin sur un mauvais, là, c'est une chose qui est très grave. Et pourquoi? Pourquoi font-ils ces pas? Parce que s'ils font comme ça, les gens vont leur donner l'appréciation pour plaire à des hommes. Oui, ces gens, ils se disent, OK, pourquoi nous avons une église qui suit Paul? Pourquoi ce n'est pas nous qui dirigeons cette église? Et Paul leur dit, non, pour moi, ce n'est pas l'intérêt de que les hommes me donnent des hosannas. Et tout ça, non, pour moi, c'est l'intérêt est que vous soyez dans l'évangile du Christ. Parce qu'on a remis sa vocation, son autorité en question, et puis on a attaqué même, plus que remettre en question, Paul va parler de sa vocation. Vous savez qui j'étais, en effet, Lydia, à partir du verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancée dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animée d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Il parle de tradition de ses pères concernant les rites mosaïques, oui. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà, il montre un peu que si maintenant il prend cette position, c'est qu'il y a eu un revirement. S'il prend cette position, il y a eu un changement. Ce n'est pas seulement par un simple changement, c'est qu'il a rencontré Christ et à partir de là, il va
il va changer, c'est cette vocation, et c'est de là vient l'autorité, et il parle de mon évangile. Voilà, il dira souvent, j'ai reçu du Seigneur cet évangile. Ce n'est pas à partir d'un homme, mais nous savons aussi la connaissance de Paul dans l'Ancien Testament. Ici, nous ne pouvons pas dire que c'est seulement une vision que Paul a reçue. Lorsqu'il a mis toutes ces choses en place, comme un puzzle qui va essayer, avant tous les textes étaient dans un sens, il va remettre de l'ordre dans ces textes. Là, il va comprendre que j'ai persécuté Christ, mais c'est en Christ qu'on a le salut. Et maintenant, voilà l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'initiative du Père et ce don à travers Jésus-Christ lui-même. Et là, Paul va expliquer mon évangile, la valeur de cet évangile, et il va dire aucun autre évangile. C'est pourquoi Paul va agir rapidement, parce qu'il a porté une certaine libération, une certaine liberté. Mais parlons un peu maintenant de ces judaïsants, de ces faux docteurs comme Paul dit. Où est-ce qu'ils voulaient vraiment en venir? Nous voyons qu'il y a eu Acte 15, ces judaïsants qui, il y avait vraiment ce concile de Jérusalem justement à cause de ces problèmes. Maintenant, est-ce que ça continue? Et quelle est l'origine de l'évangile de Paul? Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est révélé. À partir de cette révélation, il y a eu maintenant recherche, remise en question de Paul pour une meilleure compréhension du plan du salut. Et là, il a compris qu'il est sauvé, non pas à partir de ce qu'il faisait, et c'est pourquoi tout ce qu'il faisait ne comptait pour pas grand-chose, pour rien, il dit. Hein, je considère toutes ces choses comme de la boue. Et le but, justement, de l'évangile se trouve au verset 4, ce chapitre 1, le verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui des gens qui peuvent rassembler à ces judaïsants qui entrent dans des églises et cherchent à détourner les gens vers un autre évangile? Est-ce qu'il est possible que ça soit répété aujourd'hui? Oui. De tout temps, il y a eu ceux qui n'ont pas accepté ce salut en Jésus-Christ avec ce désir de dire « je dois faire quelque chose, je dois quand même apporter ma pierre à mon salut, je dois faire, même s'il a fait, mais je ne peux pas seulement accepter sans… » Et parfois en bonne conscience, mais ici… Ces judaïsants, je ne peux pas dire qu'ils faisaient ça par méchanceté ou un coup dur à Paul pour nuire à Paul, mais ils étaient convaincus de leur évangile. Ils pensaient que leur évangile était le bon. Et ils ont voulu justement combattre pour dire que ce que tu dis là, Paul, c'est pas sincère. Tu sais très bien que, mais nous avons prêché et nous allons apporter autre chose à ces personnes, justement, pour montrer que ton évangile, vraiment tu as été appelé, mais tu as été appelé par des hommes, non pas par Dieu. Donc, de cette façon, ils vont remettre en question l'enseignement de Paul en attaquant son apostolat. C'est son enseignement qui est, en somme,
ramener au deuxième niveau pour élever leur position à eux. D'ailleurs, Pierre, c'est aussi un texte, Pierre dit, Paul écrit, mais dans ses écrits, il y a des choses difficiles à comprendre. Et là maintenant, Paul va montrer que le thème principal de cette lettre, c'est la liberté qu'il apporte. Et les judéo-chrétiens vont demander maintenant aux juifs de faire des choses pour leur salut, de revenir à la loi de Moïse. Ils se sont écartés et Paul va prononcer l'anathème concernant leur position. Maintenant, revenons au verset 4, qui est vraiment le verset clé, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et là, nous entrons dans le thème de l'Épître aux Galates, de cette libération, de cette justification et de cette libérée du péché. Il y a maintenant la mort du Christ ici exposée par Paul. Paul n'expose pas la mort du Christ comme une tragédie. Paul ne présente pas la mort du Christ dans cette partie comme un accident, mais c'est une volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et là, dans cette partie, la mort, c'est volonté de Dieu, sacrifice du Christ pour la réalisation de la promesse. Et Paul a été clair ici en disant, il a persécuté, et maintenant, c'est que cette idée qu'il combattait avant, il a compris que c'est ça, l'évangile, c'est Christ. Et justement, pour peut-être résumer, Lydia, tu peux nous voir les textes concernant l'évangile que Paul souligne dans l'Épître aux Galates. Il emploie souvent l'évangile. Donc, au verset 1, il dit, c'est lui qui l'a ressuscité dans l'ordre des morts. Au verset 4, il dit qu'il s'est livré pour nos péchés, Galates 1. Au verset 6 à 7, il dit, pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y a un autre. Au verset 7, il dit qu'il y a l'évangile pur du Christ. Au verset 8, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons annoncé. Au verset 9, il dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, c'est pas bon. Cet évangile que vous avez donné n'est pas d'inspiration humaine. Au verset 11, voilà tout ce qu'il nous dit de Jean dire. Au verset 12, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis d'enseigner, mais par une révélation de Jésus-Christ. Au verset 16, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Au verset 23, seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à son sujet, au sujet de Paul. Pour conclure, l'évangile de Paul, Paul va justement mettre son évangile sous deux mots. Grâce, paix. Deux mots chargés de sens théologique, de sens soteriologique au point de vue salut. Et la paix ici constitue justement la nature du salut, cette réconciliation et cette grâce teintée de faveur et agapé. C'est cette grâce, c'est ça, Paul va montrer que cet évangile nous donne la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Christ est mort
pour nos péchés. Ce sacrifice est pour le péché. Et maintenant, ces judaïsants voulaient montrer que ce que Dieu propose, ce que Christ propose, ce que Paul propose n'est pas suffisant, mais c'est en somme, c'est ce qu'ils vont ajouter. Et Paul, à ce moment-là, dit à ces judaïsants, vous rendez caduque par votre attitude le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier donc, que l'apôtre Paul envoyait à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, à travers, donc, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir.